Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle conférence en ligne organisée par le mouvement UP. J'espère qu'on est bien en direct. Je crois que oui. Alors oui, donc mouvement UP, c'est bien sûr votre média dédié à la transition écologique et sociale. Et nous avons le plaisir ce soir de vous proposer un nouveau format sous la forme de justement d'une rencontre inspirante. Et notre invité ce soir, c'est Grégory Pouy. Bonjour Grégory. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, merci d'être là avec nous. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, en quelques mots, je vais dire que tu es expert en stratégie marketing, ça on va dire que c'est ton métier. Mm-hmm. Tu es aussi créateur d'un podcast qui s'appelle VLAN et qui explore le lien à soi, aux autres et à la nature. Et tu viens de publier ce livre, Insoutenable Paradis, il est en librairie depuis le 10 juin. Et c'est un livre qui met en lumière nos contradictions face aux enjeux écologiques. C'est à la fois un livre enquête et également une quête personnelle. Et donc, tu vas nous parler de ce livre dans quelques instants. Alors, sachez, vous qui nous regardez derrière vos écrans, qu'on va échanger avec Grégory pendant une petite heure et vous aurez l'opportunité de tout au long de cet entretien de poser vos questions. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire sur Facebook ou sur Zoom si vous êtes avec nous sur Zoom. Alors, Grégory, pour revenir à ce livre, d'ailleurs, tu l'as avec toi, on peut le voir peut-être. Il est juste là. Voilà. Ouais. Tac. Insoutenable paradis. Peut-être que j'avais envie de te poser cette question pour toi. Finalement, qu'est-ce que c'est cet insoutenable paradis qui est le titre de ton livre? En fait, tu sais, pour reprendre, je ne vais pas forcément parler de mon livre. Je vais parler de l'expérience que les personnes qui nous écoutent sans doute font au quotidien. C'est-à-dire de ces contradictions. L'idée, c'est pas de se parler de mon livre. Enfin, c'est moi, j'ai essayé de catalyser finalement ce que je ressentais de la société, ce que j'ai pu comprendre de la manière dont la société évoluait, pour finalement la reproduire ou la condenser dans un ouvrage. Mais c'est vraiment l'expérience des gens dont j'ai envie de parler. Insoutenable paradis. Pourquoi? Parce que j'avais envie d'avoir un oxymore dans le titre. Je me suis pas basé sur l'insoutenable légèreté de l'être comme il y a plein de gens qui le croient, mais sur Triste Tropique de Lévi-Strauss, parce que justement on est dans des contradictions permanentes dans nos modes de vie, tout le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que ces contradictions, elles nous emmènent à effectivement un paradis que l'on a, mais qui est insoutenable. Bien sûr, quand on dit insoutenable, on pense à la planète, on pense au vivant, mais en réalité, il est d'abord, on est le vivant, hein, c'est la première chose. La nature, elle n'est pas en dehors de nous, elle est en nous, c'est la première chose. Mais surtout, elle est insoutenable, même dans nos modes de vie au quotidien pour nous, occidentaux, qui sommes très majoritairement, pas tout le monde, mais riches, riches par rapport aux autres pays dans le monde, hein, attention. En réalité, donc on a une concentration des richesses dans les pays occidentaux, en France pas en particulier, mais en France aussi. Et en fait, ça ne nous rend pas heureux, parce que ce qu'on voit en France, c'est l'augmentation du nombre d'anxiolytiques, de la prise d'anxiolytiques. On voit les suicides, on voit les burn-out. Donc en fait, cette concentration de richesses, tout ce qu'elle produit, c'est ça. Donc on voit bien que c'est insoutenable pour nous. Et là, je pense que pendant le confinement, on a vu ça aussi. Et évidemment, elle est insoutenable pour le vivant de manière générale. Mmh. Alors, est-ce qu'on peut revenir un peu sur ton propre cheminement, parce que tu en parles quand même beaucoup dans le livre. Et à partir de quand, finalement, à partir de quel moment certaines de tes croyances ou une certaine vision du monde a commencé à être ébranlée dans ton parcours? Écoute, moi, je viens d'un milieu… En fait, c'est un bouquin qui est empreint beaucoup de vulnérabilité, parce que je crois d'abord que c'est une force, mais aussi… parce que je pense que par empathie, les gens peuvent s'associer à mon expérience. Moi, je viens d'un milieu plutôt modeste, très modeste. J'ai passé 25 ans de ma vie à poursuivre la définition qu'on nous avait donnée du bonheur et du succès, qui était, et donc on nous la donne dans les films, dans les séries, dans la pub, un peu partout, qui était l'accumulation. Donc, l'accumulation de biens, de pouvoir et d'argent. J'ai poursuivi ça. Corps et âme, donc j'ai donné beaucoup d'énergie pour me rendre compte que ça ne fonctionnait pas particulièrement. En tout cas, ça ne fonctionnait pas comme je pensais que ça fonctionnait. Et au fur et à mesure que j'arrivais à devenir bourgeois, parce que globalement, c'est de ça qu'il s'agit,
donc changer de milieu social, de milieu social, pardon. Et ben en réalité, je me suis dit, donc c'est pas, il n'y a pas eu un moment radical de transformation. C'est plus une transformation au fur et à mesure où tu te rends compte que finalement, ce qu'on t'avait vendu comme le bonheur, pas nécessairement. Alors bien sûr, les gens qui écoutent, qui nous regardent peuvent se dire, ben oui, mais tout le monde le sait que l'accumulation, ça ne fonctionne pas. Néanmoins, c'est quand même quelque chose que tout le monde poursuit. Quand on pense à quelqu'un qui a vendu une société pour X millions ou quelqu'un qui dirige une boîte avec ou quelqu'un qui a une célébrité XY, on dit, ah, il a réussi. Truc sociétal, on ne se dit pas, ah, cette personne-là, elle fait du bien autour d'elle. On peut pouvoir dire elle a réussi, mais c'est pas le mot qui va venir tout de suite dans notre tête. Et je crois que ces récits, finalement, c'est vraiment de récits qu'il s'agit. Ben en fait, on est tous dedans, plus ou moins. Même si on arrive à prendre un peu de distance, on est quand même dedans d'une manière ou d'une autre. Et l'idée, c'était que moi, je les ai déconstruits au fur et à mesure, simplement. Mais est-ce qu'il y a des événements qui sont venus un peu comme des ruptures, par exemple, et qui ont commencé à ébranler justement ces croyances de la réussite ou la recherche voilà, de l'argent, d'un certain statut, etc. Et là, ça a commencé un peu à vaciller. Est-ce qu'il y a des expériences qui t'ont fait un peu changer de direction, quoi ? Ouais, étrangement, ce n'est pas mes expériences à moi. Étrangement, comme j'évolue pas mal aussi dans le milieu du web et des startups, ce qui m'a fait vraiment évoluer, c'est de voir des amis à moi qui avaient vendu leur startup pour un certain nombre de millions d'euros et les voir totalement déprimés ensuite. Qui est un truc auquel on ne s'attend pas nécessairement parce qu'on nous a tellement dit et on a tellement en tête, toi, qu'est-ce que tu ferais si tu gagnais au loto ? Tu vois tout cet imaginaire qu'on a autour du loto. Et d'ailleurs, je prends un exemple dans le livre d'une personne qui gagne au loto et qui se suicide en fait. C'est-à-dire que notre cerveau, il n'est pas construit pour envisager les mauvais côtés d'une bonne nouvelle. Et en l'occurrence, les mauvais côtés de la bonne nouvelle de gagner beaucoup d'argent, c'est un, tu n'as plus le droit de te plaindre parce que tu as de l'argent, donc tu es censé être heureux. De deux, tu n'as plus de désir ou tu as beaucoup moins de désir. De trois, tu dois faire attention à tes amis, à ton entourage. Enfin bref, il y a plein de côtés assez négatifs au fait d'avoir beaucoup d'argent. Alors, ça peut sembler un petit peu trivial comme ça. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que si tu n'es pas heureux avant d'avoir gagné de l'argent, tu ne seras certainement pas heureux quand tu auras gagné de l'argent. Beaucoup d'argent, j'entends. Mais il y a des sommes, bien sûr, où il y a des différences majeures. Il y a une étude de Harvard sur laquelle je m'appuie dans le livre qui te dit que jusqu'à 70 000 euros par an, il y a vraiment des différences importantes dans nos milieux sociaux, enfin dans nos milieux sociaux, dans nos pays, donc en Occident. Jusqu'à 70 000 euros par an, il y a des vraies différences qui se font. Après 70 000 euros, il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne change rien. Tu vas sans doute avoir un appartement plus grand, une plus belle voiture, partir plus loin en vacances, mais en fait, ça ne change pas ton bonheur. Et je crois que c'est en voyant ça, c'est aussi en lisant des livres, en recevant un certain nombre de personnes sur mon podcast. Et entre autres, tu me demandes des moments. Donc, j'ai fait un épisode, le numéro 51 de mémoire, qui est avec Mo Goddard sur le bonheur. Donc, Mo Goddard, c'était l'un des patrons de Google qui a perdu son fils de 21 ans sur une table d'opération pour une opération bénigne et qui, lui, il y a toujours des moments comme, enfin, il n'y a pas toujours, mais parfois il y a des moments comme ça, c'est ce que tu me demandes, et moi, je n'ai pas forcément ça, mais c'est à travers des conversations de gens qui ont fait l'expérience, des moments de vacillement. Et lui, du coup, ça l'a complètement tourné, et du coup, maintenant, il écrit uniquement sur le bonheur, il a quitté Google, etc. etc. Donc, tu vois, c'est en parlant avec des personnes qui ont fait cette expérience, en voyant autour de moi des personnes qui avaient gagné beaucoup d'argent et pour lesquelles ça ne fonctionnait pas, en observant moi-même mon chemin et où est-ce que j'en étais, etc. Et puis en observant là d'où je viens aussi, parce que tu vois, que ce soit ma mère ou sa famille, et à quoi tient le bonheur, tu vois, j'ai pu l'expérimenter aussi moi-même, ce bonheur, ce lien avec les autres, sans avoir rien, enfin tu vois, enfin rien, j'avais un toit et j'avais à manger, mais c'est sûr que tu vois, c'est ma mère qui voulait aller pas chez le coiffeur, c'est ma mère qui tricotait mes pulls. J'habitais dans une cité. Enfin voilà, c'était pas, j'avais pas de voilà, j'avais pas de livres autour de moi. Enfin voilà, moi je viens de ce milieu social là, pas horrible, mais en tout cas très modeste. Et donc je sais. Et finalement, ce dont je me rends compte maintenant avec mes 43 ans, c'est que le bonheur que j'avais à l'époque, c'est toujours le même aujourd'hui. Finalement, il n'a pas beaucoup bougé. Alors, tu parlais de ton podcast, donc tu as créé le podcast Vlan il y a 2 ans, c'est bien ça ?
3 ans. 3 ans. Et au départ, ce qui est intéressant, c'est, voilà, tu as peut-être parlé au départ de marketing, et très vite, tu as commencé à dévier et justement faire ces rencontres dont tu parles et qui alimentent aussi beaucoup ta réflexion dans le livre. On voit bien qu'il y a eu un basculement quand même. Ouais. Parce que, voilà. En fait, le basculement, tu as raison. Il s'est fait. En fait, si tu veux, je pense que ces questionnements-là, je les avais déjà. Simplement, je ne me donnais pas l'autorisation. En fait, quand j'ai créé mon podcast, moi, j'ai eu un blog pendant 15 ans qui. Je travaille en indépendant, donc j'accompagne des grandes marques en indépendant. Je n'ai pas de marque autour de moi, je n'ai personne qui. C'est à moi de trouver des clients, on va dire. Et en fait, la manière que j'ai trouvé pour trouver des clients, c'est de partager du contenu en ligne. Donc, je faisais sur un blog, je l'ai fait sur SlideShare, je l'ai fait sur des Facebook Live. Et puis, j'ai lancé mon podcast en me disant, bah voilà, je vais trouver des nouveaux clients à travers mon podcast. Donc, c'était l'idée à l'origine. Et puis, en fait, je me suis dit, mais le marketing, c'est intéressant, mais ce n'est pas si intéressant que ça. Ça m'ennuie un peu, en fait. Et du coup, je me suis donné l'autorisation d'aller vers les questionnements qui m'intéressent vraiment. Et aujourd'hui, il y a encore, je pense, tous les jours, après 2 ou 3 boîtes qui m'écrivent en disant « Est-ce que vous ne voudriez pas recevoir le patron de telle start-up ?» Je sais pas. Et à chaque fois, je leur dis « Non, en fait, ce n'est plus mon sujet. » Donc, au début, je me donnais l'autorisation de parler de sujets qui n'étaient pas marketing. Aujourd'hui, je ne me donne plus l'autorisation de parler de marketing. Tu vois, c'est vraiment un shift assez important. Simplement, c'est vraiment se donner l'autorisation. Je pense que c'est la bonne expression. À partir de quel moment les enjeux écologiques ont commencé à venir dans ton esprit, te titiller. Parce que justement, on comprend bien que dans ton parcours, vraiment, voilà, tu es le pur produit d'une génération vraiment post-30 glorieuse où vraiment l'objectif, c'est l'accumulation de biens, c'est la société de consommation. Donc vraiment, tout ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive un peu au bord du gouffre. Donc, on a l'impression que voilà, tu es entre deux mondes, quoi. Donc, comment c'est… Entre deux mondes, en fait… on est en train de changer. Alors, si tu t'intéresses, par exemple, au test de Michel Maffezoli, mais à plein de personnes, finalement, de sociologues ou d'anthropologues, tu verras qu'on est en train de changer d'époque. Donc, on était dans une époque de modernité, on est en train de passer au modernisme. Et la modernité, c'était effectivement l'individualisme, c'était cette conquête, c'était cette maîtrise de l'homme par l'analyse, ou l'homme-machine, etc., etc. Et en fait, on est en train de changer d'époque. Moi, c'est l'intégralité de la société qui est en train de changer d'époque. Et donc, moi, je ne suis que, finalement, un élément qui bouge dans cette époque. J'ai cette chance de rencontrer des gens incroyables qui ont beaucoup réfléchi sur le sujet, beaucoup analysé, donc beaucoup d'anthropologues, de sociologues, de psychologues, de chercheurs, de militants, de politique, de patrons de société, et pour discuter avec eux de cette transformation de société. Moi, je regarde un petit peu de haut, entre guillemets, ces mouvements de société, c'est la seule valeur, entre guillemets, que je peux avoir. Et du coup, j'ai oublié ta question. Précisément, c'était pas ta question. En fait, c'était vraiment par rapport aux enjeux écologiques. À partir de quel moment, de ton parcours, ces questions-là ont commencé à émerger. En fait, je pense que tu le sais tout le temps. Simplement, tu te mens à toi-même parce que c'est quand même beaucoup plus facile. En fait, tout ce qui est pratique dans nos vies, en fait, on vit comme des adolescents pourri gâtés, tu vois. C'est-à-dire, on a des vies très pratiques, incroyables. On a des piliers de société qui sont incroyablement stables, qu'on prend pour acquis. Donc, par exemple, la sécurité physique. On a une triple sécurité. Une sécurité physique, on n'est pas en guerre, il n'y a pas de bombe qui tombe, il n'y a rien, tout se va bien. Ça, on le prend pour acquis, mais ce n'est pas un acquis. On a une sécurité financière, les banques ne font pas faillite. Il n'y a pas d'inflation, on le prend pour acquis. On a une sécurité sanitaire qui a été mise à mal. En fait, cette triple sécurité, elle a été mise à mal au XXe siècle. Donc, 2001, crise physique avec les attentats. 2008, crise financière. Donc, voilà. Et là, crise sanitaire. Donc, cette triple sécurité, elle est mise à mal au fur et à mesure. Et finalement, donc, tu sais toujours que la nature, elle est là, que l'écologie, elle est là. Simplement, moi, je viens d'une famille plutôt de droite. Mon père était de droite. Et en fait, l'écologie, ce n'était même pas un sujet à l'origine. On se moquait de José Bové, tu vois, dans ma famille, c'était vraiment ça. Encore un fou qui brûle les McDo, quoi, tu vois, on n'avait aucune conscience de ce que ça représentait, de ce qu'il essayait de faire, etc. Et je pense que
c'est la culture qui m'a permis, enfin la culture, le fait de rencontrer des personnes, de lire, de m'intéresser, qui m'a permis de comprendre. Mais moi, ce qui me semble important, c'est que dans notre société, on a toujours des visions très binaires de tous ces sujets-là, en particulier sur les réseaux sociaux, mais les médias font ça aussi. Donc c'est soit tu deviens écolo, radical, voilà, et on te considère comme un radical parce que, je ne sais pas, tu es végétarien ou parce que tu décides de faire ta lessive toi-même. Ou d'un autre côté, tu as ton 4x4 et tu t'en fous et tu jettes, tes bouteilles de plastique par terre, enfin, dehors, dans ton gros 4x4. Et en fait, la réalité, c'est qu'il y a un maximum de personnes, la très grande majorité, qui sont un peu comme moi, c'est-à-dire qui sont entre les deux, qui ont une conscience écologique et qui ne savent pas par quel bout le prendre parce qu'en fait, ils vivent à la ville, qu'ils sont banquiers, qu'ils sont assureurs, qu'ils sont commerçants, enfin, peu importe le métier qu'ils peuvent avoir, et qui se disent, bah ouais, l'écologie, oui, bien sûr, mais faut quand même que je nourrisse ma famille, faut que je paye mon loyer. Comment je fais cet équilibre-là? Et je pense que moi, c'est ça, si tu veux, qui m'a intéressé, c'est vraiment de se dire, moi, ces visions binaires, je ne me retrouve pas dedans. Est-ce qu'il n'y a pas une vision, tu vois, un peu plus complexe, un peu plus... englobante, qui regroupe tout ça, sans que, et moi c'est vraiment quelque chose qui me semble essentiel, sans que ça soit chiant. C'est-à-dire que tu peux apporter de l'information, tu vois, je parlais de Michel Maffezoli, je peux parler de plein de chercheurs, sans que ça soit compliqué. Tu vois, la culture en France, on a quand même ce truc, je trouve, où parce que c'est un bouquin de sociologie ou un bouquin supposé sérieux, alors ça va être chiant. Tu vois, ce que les Américains n'ont pas du tout, je trouve. Et donc moi c'est ce que j'essaye de faire, mais je pense que l'écologie tu l'as en toi, parce que de toute façon la première écologie c'est l'écologie personnelle, c'est ton corps, donc tu le sais, tu vois, écologie c'est le discours sur la nature, donc après c'est l'écosophie qui va être intéressante, c'est-à-dire la sagesse autour de la nature, et ben en fait du discours tu passes à la sagesse, et je pense que c'est ce mouvement-là que j'ai fait. Je pense qu'il y a, pour répondre plus précisément, il y a 2 ans quand j'ai transformé mon podcast plutôt. Je pense que c'est vraiment à ce moment-là où en fait j'assume, tu vois. Je pense que c'est ce moment où je me donne l'autorisation, j'assume. Alors ce que tu dis aussi beaucoup dans ton livre, tu parles finalement de la crise du lien comme étant une des causes finalement de l'impasse un peu qui dans laquelle nous sommes. Et c'est vraiment ce que tu as voulu faire aussi avec Vlan, tu l'as transformé pour créer du lien. Est-ce que tu peux un peu développer cette histoire de crise de lien dont tu parles d'ailleurs pas mal dans le bouquin? Oui, bien sûr. En fait, dans cette société hyper individualiste, il y a un triple lien. Donc, tu en as parlé tout à l'heure quand tu m'as présenté. Et ce triple lien, il a été mis à mal par la société moderne, c'est-à-dire l'individualisme. Il n'y a pas que l'individualisme dans la société moderne, mais c'est quand même un des 3 piliers. Et donc, le premier pilier, c'est le lien à soi. Considérer son corps comme une machine. Ne plus être connecté à son corps. Ça, c'est le premier, la première rupture. Et on voit aujourd'hui un retour du sacré. Donc, le sacré n'est pas associé évidemment à une religion dogmatique, hein, nécessairement. Ça peut être du mysticisme, ça peut être n'importe quel type d'ésotérisme, finalement. On voit le développement personnel, etc. C'est de créer du lien à soi. Ensuite, il y a le lien aux autres. Donc, le lien à soi, c'est pas. On peut le faire dans un premier temps, d'abord, c'est vrai, il y a des personnes qui font ça dans une logique très individualiste. Et finalement, quand tu crées du lien à toi, c'est la première étape pour créer du lien aux autres. Ce triple lien, finalement, c'est marrant parce que je suis tombé dessus tout seul pour me rendre compte qu'en fait, il avait été écrit dans un bouquin qui s'appelle la Gita, qui est la base de l'hindouisme. Donc, au final, ce qui est intéressant, c'est de se dire, d'abord, ça te rentre rien, de te dire, tu n'as rien inventé. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de retomber sur une sagesse ancestrale. Bref, ensuite, tu as le lien aux autres. Et là, pendant le confinement, on s'est bien rendu compte, je crois, que ce qui nous manque le plus, ce n'est pas d'acheter une robe Zara ou un pantalon ou je ne sais quoi, c'est le lien aux autres. Ce qui nous a beaucoup touché, c'est l'entraide, c'est le co. Pas covoiturage en l'occurrence, mais la cohabitation. Donc, tu vois, ce retour du lien aux autres. Et puis, évidemment, il y a le lien à la nature, mais le lien à la nature, ce qui est intéressant, c'est qu'on a, à force d'analyse, donc l'analyse, c'est découper tout en morceaux, à force d'analyse, on a, et puis aussi de considérer la nature de manière générale à l'extérieur de nous comme quelque chose dont on peut se servir, on a coupé le lien entre notre corps et notre esprit. C'est-à-dire que, bien sûr que nous sommes la nature, donc en fait, il n'y a pas de discussion à avoir là-dessus, mais en fait, c'est comme si notre tête
n'avaient plus conscience que nous étions la nature. Et en fait, cette reconnexion, donc c'est une reconnexion individuelle, mais du coup, qui se fait avec la nature aussi. C'est-à-dire, quand tu jettes un bout de papier par terre, c'est comme, écologie, c'est aussi la maison. Hein. C'est comme si tu jettais un papier par terre chez toi. La planète, elle n'est pas très grande, c'est un espace fini. Donc, tu abîmes, évidemment, mais je pense que je parle à des convaincus, toi y compris, tu abîmes ton propre habitat, en fait. Donc, tu t'abîmes toi-même. Donc, c'est ce triple lien qui me semble essentiel et c'est pour ça que je parle beaucoup de ça sur le podcast. Finalement, pour toi, la crise écologique, c'est aussi une crise de sens. C'est-à-dire que finalement, les valeurs qui ont guidé la société depuis 40 ans nous ont amené finalement droit dans le mur. C'est-à-dire qu'on n'est même pas heureux finalement. Et en plus, la planète est bousillée au passage. Donc, en fait, il y a quand même tout à déconstruire pour… Mais pour quoi ? Pour aller vers où au final ? Ah bah c'est ça. En fait, c'est un point important que tu soulèves parce que moi, donc ce que j'ai voulu faire, c'est un bouquin très humaniste, mais aussi très positif. Pour moi, bien sûr qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'effondrer et c'est une bonne nouvelle. En fait, je pense que ça ne sert à rien de vouloir faire peur aux gens. Je crois qu'on a effectivement une crise de récit. C'est-à-dire que d'abord, il n'y a plus de récit parce qu'en fait, dans une société d'analyse où on est capable de tout expliquer, et voire même, on a eu la volonté de repousser la mort, tu vois, qui est quand même la peur ultime, et ben en fait, quand tu fais ça, tu démagifies le monde. Mais quand tu démagifies le monde, c'est-à-dire que tu enlèves toute la magie, et ben en fait, tu n'as plus d'espoir. Donc, tu n'as plus de récit dans lequel te projeter. Aujourd'hui, on n'a pas un récit dans lequel on se projette. Et le récit qu'on a encore beaucoup, qui est encore très présent, même s'il est très mis à mal, parce que vraiment, on change d'époque. Donc, on est dans une période. Donc, une période, c'est une vingtaine, trentaine d'années, tandis que, voilà, en l'occurrence, on est sur 70, mais c'est une période relativement courte. C'est un moment relativement court. Une époque, c'est 400 ans. Donc là, on est en train de changer d'époque, donc on est dans une période intermédiaire où tout ça est vraiment mis à mal parce que le récit sur lequel on s'est construit, c'est effectivement cette histoire de la maîtrise de l'homme, de l'ensemble des éléments. Une période où on est dans une sorte de boulimie énergétique, mais comme un adolescent ne ferait pas attention, il a chez lui parce qu'en fait, il considère ça comme acquis, alors qu'en réalité, tout ça, c'est n'importe quoi. Le récit vers lequel on va, je crois, et moi, je propose une nouvelle spiritualité de société, c'est d'abord un monde qui est beaucoup plus… Alors, si je parlais en termes sociologiques, on dirait qu'on passe d'un monde… prométhéen à un monde très dionysiaque, ce qui va sans doute pas parler à beaucoup de monde, mais globalement on passe à un monde où on reconnaît l'énergie féminine. En fait, on associe beaucoup le capitalisme avec l'énergie masculine, pas dire que l'énergie masculine elle est mauvaise et que l'énergie féminine elle est incroyable, mais au moins reconnaître que l'énergie masculine, donc qui est cette logique de puissance extérieure, donc la force, la vitesse, qui sont des éléments, tu vois, tout ce qui est à l'extérieur, donc qui sont des éléments importants, qui sont voilà. Et puis la puissance féminine, qui est cette puissance intérieure, donc la vulnérabilité, l'empathie, etc. Aujourd'hui, dans notre société, quand même, la puissance féminine, elle est considérée comme une faiblesse. Et je dis puissance féminine, c'est pas genré, hein, c'est vraiment hommes et femmes ont du masculin et du féminin, évidemment. Quelle que soit ta préférence sexuelle, peu importe. On a tous du féminin et du masculin. L'important, c'est de développer le féminin. Parce que quand tu développes le féminin et que tu développes ton monde intérieur très fort, alors tu n'as plus besoin de l'apparat, tu n'as plus besoin de la vitesse, tu n'as plus besoin de tous ces éléments extérieurs. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est le chamanisme. Parce que pour moi, s'intéresser... aux autres manières de faire. L'idée, c'est pas de se dire qu'on va tous aller prendre des drogues, etc. D'ailleurs, ce mot drogue est discutable, mais c'est surtout de se dire on va s'intéresser à d'autres manières de faire société. Tu vois, on parle beaucoup de permaculture. Les Indiens d'Amazonie, ils ont toujours fait de la permaculture. C'est pas un truc très nouveau, quoi. Donc, s'intéresser à d'autres manières de faire société. Donc, tu vois, quand on brûle l'Amazonie, ce qui est gênant, c'est évidemment les arbres, mais ce qui est gênant, c'est surtout qu'on est en train de brûler l'habitat de personnes dont on a beaucoup à apprendre. Encore une fois, je ne fais pas l'apologie de ces sociétés. Elles ont des trucs à nous apprendre, comme on a des trucs qui sont géniaux aussi. Moi, je ne suis pas en train de dire c'était mieux avant ou les autres, c'est mieux, etc. Nous, on est pourris. C'est vraiment pas le discours.
Et bien sûr, c'est plus complexe que ça. C'est le développement personnel, c'est d'être dans l'économie collaborative, mais aussi, tu vois, ce que le digital a amené, sans doute, le fait d'accéder, pas de posséder. Tu vois, tout le monde n'a pas besoin d'avoir une voiture, une tondeuse, la vaisselle. Il y a sans doute d'autres manières d'envisager la manière de vivre. C'est aussi le slow, évidemment. Le slow n'est pas, évidemment, d'aller lentement, mais de faire mieux, de consommer des produits qui durent, par exemple. Et en fait, tu vois, le mouvement qui, pour moi, représente cette nouvelle spiritualité. Donc, en fait, le monde vers lequel on va, c'est un monde qui est beaucoup plus féminin. Le monde vers lequel on va, c'est un monde où il y a beaucoup plus de collectifs. On pourrait comparer ça à la Renaissance, tu vois. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de renaître. Donc, c'est vraiment ce mouvement-là. Et en fait, le mouvement de balancier qu'on voit dans l'humanité, donc là, on est allé beaucoup trop loin dans un mouvement prométhéen. Et donc, on est en train de revenir dans un mouvement dionysiaque. Et si vous avez vous verrez que Dionysos, c'est un dieu qui profite, qui est, voilà, c'est un dieu un peu dur, un peu rigide, un peu droit, quoi. C'est très, très différent. Donc, c'est vers ça qu'on est en train d'aller. Et c'est une bonne nouvelle, le fait qu'on ne soit pas dans une croissance économique infinie qui est complètement stupide, parce qu'en fait, quand on y pense, cette croissance qu'on appelle croissance, c'est de la décroissance. C'est-à-dire qu'en fait, moi, l'exemple que je prends pour l'entreprise, par exemple, c'est de dire, mais quand vous prenez un shoot d'héroïne, par exemple, moi, j'ai jamais fait d'héroïne, mais admettons que tu te mets un shoot d'héroïne. Je suppose que les gens qui le font, ils le font parce que ça leur fait du bien. Tu vois, sur le court terme, ça leur fait du bien. Et est-ce que ça, c'est de la croissance ou est-ce que c'est de la décroissance pour ton corps? Et finalement, quand on fait de la croissance économique, est-ce que c'est de la croissance ou est-ce que c'est de la décroissance? Tu vois, c'est ce genre de questions-là qui sont intéressantes à se poser. Et à l'inverse de ce que plein de gens pourraient peut-être supposer, les dirigeants des entreprises sont dans cette prise de conscience aujourd'hui. Pas tous. Et bien sûr qu'on ne change pas une entreprise du jour au lendemain et que tu ne peux pas faire des virages à 360 degrés, ou 180 en l'occurrence, d'un coup. Mais ils sont dans ces prises de conscience-là. Et moi, j'essaye d'aider les entreprises et les patrons de ces boîtes-là à faire cette transformation, justement. Après, il y a aussi beaucoup d'experts qui scientifiques hein, qui disent aussi que c'est le système économique qui son fonctionnement qui crée le manque et donc la consommation, quoi, puisqu'on voit bien que là on n'a pas consommé beaucoup moins du fait du confinement et d'un coup l'économie s'effondre. Donc là aussi par rapport aux entreprises, est-ce qu'ils sont pas, enfin, on peut se sentir un peu inconfortable avec ce système économique quand on commence à prendre conscience des enjeux écologiques. Donc, comment, ça, c'est un vrai paradoxe. Comment concilier ça, quoi? En fait, c'est intéressant cette question que tu poses. J'en ai beaucoup parlé avec David Jays, qui est un philosophe politique. Et en fait, ce qu'il pose, lui, comme équation, qui est un tout petit peu différente de la tienne, finalement, il y a un triptyque qui est nature, écologie, démocratie et capitalisme. On pensait que le capitalisme et la démocratie ne fonctionnaient pas ensemble. Que le capitalisme et la démocratie ne fonctionnaient pas ensemble. La Chine nous a prouvé l'inverse. Mais aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est de faire cette équation. Aujourd'hui, la Chine, ce n'est pas une démocratie précisément. Donc, ils ont l'écologie, ils ont le capitalisme, mais pas vraiment la démocratie. Nous, on a la démocratie, on a le capitalisme, l'hypercapitalisme en fait, mais pas l'écologie. Donc en fait, l'équation à trouver, c'est comment j'aligne ces trois éléments, écologie, capitalisme et démocratie. L'idée, c'est certainement pas de se dire qu'il faut arrêter de tout consommer, etc. Je sais qu'il y a, et j'ai lu bien sûr ces études qui montrent que pendant le confinement, on avait l'impact carbone qu'il faudrait avoir idéalement. Maintenant, si tu dis aux gens, en fait, on va rester confinés à vitam, parce qu'en fait, c'est l'impact carbone qu'on doit avoir, ça n'a aucun sens. Enfin, je veux dire, personne ne va jamais adhérer à ce discours-là. Enfin, en tout cas, moi, je n'y adhérerai pas. Je n'ai pas vraiment envie de rester confiné toute ma vie chez moi. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, en fait? C'est-à-dire qu'il faut qu'on sorte de l'hyper-capitalisme, de l'hyper-mondialisation, pour revenir à quelque chose qui est beaucoup plus raisonné. En fait, moi, ce que je trouve gênant, et c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure de vision binaire, c'est qu'on est toujours tout de suite soit complètement à gauche, soit complètement à droite. On n'est jamais dans des solutions intermédiaires, tu vois, raisonnables, raisonnées. Y a une économiste qui a écrit un bouquin qui s'appelle The Donut Economy, donc l'économie du donut, qui te montre comment tu peux
réfléchir à toutes tes externalités positives et négatives. Et comment l'intérêt, c'est d'être... Donc, elle prend des notes parce qu'elle montre qu'il y a l'intérieur du donut où c'est la famine, tu vois, les trucs horribles qu'on peut envisager. Et puis, c'est l'hyperconsommation, etc. Nous, on est clairement de ce côté-là. Et puis, il y a des pays plus pauvres où on n'est pas là du tout. Donc, l'idée, c'est de se dire comment on fait pour rester dans le donut, pour être modéré finalement. Donc, je crois que, bien sûr que moi, je milite aussi pour le revenu universel parce qu'effectivement, tu as raison. Il va y avoir des impacts d'abord par l'intelligence artificielle générale sur l'économie. Donc, à mon sens, on peut complètement consommer de manière raisonnée et ça dépend ce qu'on appelle la croissance. Tu vois ce qu'on appelle la croissance. Et par exemple, quand j'ai discuté avec le patron de la Maïf, eux, ce qu'ils ont défini comme terme croissance, c'est financière, satisfaction des salariés, satisfaction des clients et un. C'est ça la croissance. Ce n'est pas juste la performance financière. Mmh. Et en fait, à partir du moment où tu changes, comme ce qu'on appelle le PIB, c'est un chiffre qui a été défini dans les années 1920 parce qu'on cherchait un indicateur qui puisse. Mais ce n'est pas parce que c'est un indicateur qui est défini dans les 1920 que c'est ça la croissance. Enfin, ça ne peut pas être résumé aussi simplement que ça, en fait. On n'a pas besoin d'aller jusqu'à dire que. On va mesurer le bonheur, c'est pas tant la question, mais surtout d'être modéré en fait. Et ce qui est intéressant de voir, parce que donc moi ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir le triptyque qui forme la société, c'est-à-dire les politiques, la société civile et les entreprises, pour voir comment on s'en sort. Tu vois, et tu te rends compte que les politiques, effectivement, l'équation dont on parlait juste à l'instant, ils ont beaucoup de mal parce que ils ont grandi, en particulier à l'ENA, mais tu vois, cette oligarchie a grandi dans une logique croissance chômage. Et donc, ils ne savent pas intégrer l'écologie à l'intérieur. Ils ne l'intègrent que de manière binaire, c'est-à-dire, tiens, les voitures polluent, hop, on réduit la vitesse. Tu vois, ils ne réfléchissent pas où les voitures polluent, on va mettre des pistes cyclables à Paris. Et je fais du vélo, donc je ne suis pas contre les pistes cyclables, évidemment. Simplement, ils ne pensent pas, moi je viens de la cité en banlieue, donc du coup, ils ne pensent pas de manière systémique comment on fait quand on fait des pistes cyclables à Paris, c'est super, moi j'adore. Mais comment on fait pour faire en sorte que les gens qui vivent en banlieue ne viennent plus à Paris pour travailler, en fait ? Comment on fait pour instaurer le travail à distance ? Tu vois, c'est toutes ces réflexions-là que les politiques ont beaucoup, beaucoup de mal à faire, je trouve. Et ils le reconnaissent, hein, d'ailleurs. Oui, oui. Alors après, c'est vrai qu'après, avec ce qu'on vient de vivre, il y a beaucoup d'espoir, on parle beaucoup du monde d'après. Et en même temps, on sent, hein, pour les personnes qui sont vraiment conscientes de ces enjeux, qui ont envie que ça bouge plus vite… ça commence un peu à retomber. Enfin, c'est un peu des vagues, en fait. Il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça ne va pas trop. Parce que tu dis, mais en fait, on a plein de messages d'urgence en permanence sur l'état de la planète. Les indicateurs scientifiques sont vraiment alarmants. Et une espèce d'inertie collective. Et comment faire dans tout ça ? Est-ce que tout peut pas reposer que sur l'individu ? On est d'accord. Donc ça, je pense pas du tout. Moi, en fait, dans ce triptyque que je viens de définir, la société civile, entreprise politique, je pense que la société civile a fait sa partie aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois que c'est les entreprises. Ça peut sembler un petit peu contradictoire, mais aujourd'hui, c'est les entreprises qui vont avoir un impact majeur pour plusieurs raisons. D'abord par le design de leurs produits, c'est-à-dire qu'en fait, il y a plein d'impacts que l'on a au quotidien parce que les produits sont mal designés. Il y a un exemple qui est très connu auquel je fais référence dans le bouquin qui est la bouilloire. Donc, je ne sais pas si tu t'es déjà servi d'une bouilloire pour faire chauffer de l'eau, mais ça a été prouvé en Angleterre qu'en fait, on boue toujours un peu trop d'eau. Cette énergie qui est utilisée pour bouillir ce supplément d'eau qui est non nécessaire, qui va finir dans l'évier finalement, ça suffit en Angleterre quand tu cumules l'intégralité des foyers en Angleterre pour éclairer l'intégralité de l'Angleterre tous les jours. Ça, c'est un problème de design. C'est pas le problème. Enfin, bien sûr que les gens pourraient faire attention, etc. Mais c'est principalement un problème de design. Le fait que l'eau dans ta douche soit recyclée ou qu'il n'y ait pas un compteur d'eau sur ta douche, le fait qu'il n'y ait pas un compteur de CO2 sur ta voiture, tout ça, c'est des problèmes de design. Donc les entreprises ont un rôle majeur à jouer. D'abord en marketing. Donc le marketing, c'est pas la communication. Hein. Je sais que je parle pas forcément tous à des experts, mais le marketing, c'est vraiment la conception du produit ou du service. Donc comment je conçois un produit ou un service qui par essence va moins polluer, tu vois. Par exemple, chez L'Oréal, ils essayent de faire des shampoings qui sont complètement biodégradables. Ça paraît bête comme ça, mais quand ton shampoing il est complètement biodégradable, quand tu te laves les cheveux, tu pollues pas. Alors même si un shampoing c'est 90% d'eau, hein, donc a priori c'est quand même pas très polluant un shampoing, mais donc c'est peut-être pas le meilleur exemple. Mais tu vois, toutes ces réflexions là sur comment je fais en sorte en termes de design
pour réduire l'impact des gens, parce qu'on reproche aux gens des impacts qu'ils ne voient pas aussi. Ensuite, il y a évidemment, on pourrait parler de replanter des arbres, etc. Mais moi, je trouve que ça, c'est vraiment du bullshit. Parce que pour moi, replanter des arbres, c'est continuer à faire ce que je fais tout en disant bah, regardez, je plante des arbres, c'est un petit peu. Pour moi, c'est comme un alors, l'image est violente, hein, pardonnez-moi, mais c'est comme un mec qui viole des filles et qui dit bah, il n'y a pas de problème parce que moi, je finance la société, enfin, l'association qui aide les femmes qui ont été violées. Ben non, en fait, ça ne fonctionne pas. Tu vois, il faut arrêter de violer des femmes, c'est quand même vachement plus simple. Mais après, c'est, pour les entreprises, c'est repenser cette histoire de croissance et de performance, redéfinir ça. Et puis, c'est les récits. Parce qu'en fait, finalement, les entreprises, on ne s'en rend pas compte comme ça, mais à travers la publicité, et ils dépensent énormément d'argent pour en faire, ils racontent des histoires. Et ces histoires, elles le forment nos imaginaires. Donc en fait, elles ont un rôle majeur à jouer dans les imaginaires collectifs autour du succès. C'est quels films elles vont parce qu'en fait, les films qu'on voit au cinéma ils sont aussi financés par les marques. Faut pas rêver. L'argent, il vient bien de quelque part. Donc en fait, tous ces récits qu'on nous raconte et donc ces projections qu'on a, et bon gré mal gré, on les a. Et ben en fait, ils ont le pouvoir de les transformer. Donc pour moi, les entreprises, elles ont un rôle majeur à jouer. Et je crois que la politique, et tu vois, j'ai parlé pour le bouquin avec François Hollande, avec Gaspard Ganzer, avec des lobbyistes, etc. Tu te rends compte que finalement, ce n'est pas eux qui vont bouger. En fait, on attend tous que ce soit la politique, mais en vrai, ça ne va pas être la politique. Ça va être la société civile qui a bougé, les entreprises qui vont bouger, la politique qui va bouger derrière et qui va commencer à légiférer parce qu'il y aura suffisamment d'entreprises qui auront bougé. Donc, ce triptyque-là, il fonctionne ensemble, il tourne ensemble. Et en ce moment, il est plutôt effectivement immobile. Après, pour revenir sur ce que tu disais, sur « ça ne va pas assez vite, il y a des messages d'urgence, etc. », moi, je m'appuie beaucoup sur le mythe de Cassandre. Je ne sais pas si tu vois qui était Cassandre, donc la fille du roi de Troie. Et en fait, la question, c'est pourquoi, en fait, on lui jette cette malédiction où, en fait, elle connaît la vérité, mais elle n'est pas crue, ce qui est un peu la situation des chercheurs aujourd'hui. C'est-à-dire que les scientifiques, ils ont la vérité, on le sait bien, et en même temps, c'est pas qu'on les croit pas, mais on les écoute pas. Le fait est qu'on continue à faire nos modes de vie classiques, on va dire. Et finalement, quand tu t'intéresses au mythe de Cassandre, tu te rends compte qu'il y a trois raisons pour lesquelles elle n'était pas crue. La première, c'est qu'elle faisait pas partie du sérail. C'était une femme à l'époque. Désolé. Mais à l'époque, en tout cas, le fait que ce soit une femme, par essence, faisait qu'elle était non pertinente. Quand t'as quelqu'un de très écolo qui vient te voir alors qu'il a pas du tout le même mode de vie que le tien, en fait, son discours ne te parle pas parce qu'en fait, il est trop loin de toi déjà. Ensuite, il y a le deuxième élément. Quand tu vas trop loin de la zone de confort des gens, en fait, les gens ne t'écoutent plus, tu les perds. Donc, ça ne sert à rien d'avoir des discours hyper alarmistes parce qu'en fait, tu vas perdre les gens. Parce qu'ils vont se dire, bah, parce que moi, à la limite, si tu me dis, de toute façon, c'est foutu, c'est trop tard, moi, je vais te répondre, bah, tu sais quoi, dans ce cas-là, je continue à faire ma vie normale puisque de toute façon, c'est trop tard. Donc, que je fasse des efforts ou pas, c'est trop tard. Donc, bon. Peu importe, tu vois, ça peut être une réflexion quand même. Ouais, bien sûr. Et puis, la troisième élément, c'est d'avoir des faits concrets. Donc là, les scientifiques nous en donnent. C'est pour ça que je pense que c'est important d'être modéré. Moi, je fais beaucoup la différence entre le militantisme, et les militants ont beaucoup, ils ont vraiment leur raison d'exister, et les personnes engagées. Parce que quand tu es militant, c'est souvent militant pour, mais tu es aussi militant contre. Mais moi, si tu me dis, par exemple, ta manière de vivre, elle est pourrie, ce que tu fais, c'est naze, je ne vais pas te dire, ah ben ouais, tu as totalement raison. Ah ouais, mais franchement, ouais, moi, je suis une merde. Je vais rentrer en contre. Nécessairement, je vais m'opposer à toi, c'est logique. Ouais, tandis que quand tu es militant pour et tu dis, bah voilà, moi je ne suis pas là pour stigmatiser qui que ce soit, je ne suis pas là pour donner des leçons à qui que ce soit, je suis en train de dire, bah voilà, en fait, tu peux envisager la vie de manière différente, tu peux envisager le bonheur de manière différente, et voilà tel chercheur qui a réfléchi sur le sujet, et voilà tel truc, etc. Pour faire comprendre aux personnes que finalement, peut-être que ce qu'elles cherchaient à obtenir, tu vois, on a toujours cette phrase, non mais si j'avais ce truc, si j'avais cette personne dans ma vie, si j'avais ces amis, si j'avais ce job, si j'avais cette célébrité, alors je serais heureux. Mais en fait, non. Enfin, tu vois, c'est, évidemment, c'est un mensonge. Pourtant, on a tous quand même cet imaginaire dans la tête. Plus ou moins, hein, bien sûr. Mais... Donc, c'est casser ça pour permettre aux gens de changer eux-mêmes. En fait, tout le monde a envie de changer, mais personne n'aime être changé. Tu changes toi-même. Et la première manière de te faire changer, c'est aussi quand les autres autour de toi changent. Mm-hmm. C'était une longue réponse, pardon. Pour revenir aux aux chefs d'entreprise, en fait, aux dirigeants, parce que tu les côtoies au quotidien, quel est leur niveau de conscience par rapport à tous ces enjeux? Parce que si c'est un pilier important, les entreprises, de ce changement systémique, on voit bien dans la société, il y a comme une vague depuis 2 ans, on va dire depuis Greta Thunberg, ou quand même, et c'est très générationnel aussi, ça c'est clair, qui commence une conscience comme ça qui s'élargit.
au niveau du monde économique, qui parfois peut être très éloigné de, voilà, des gens, des citoyens de base, on va dire. Ils en sont où dans les, dans ces sphères-là, quoi, au niveau de leur ouverture de conscience par rapport à ces enjeux, voilà, tout simplement. Bien sûr, c'est une question extrêmement importante. Je crois que, alors, ça dépend, évidemment, ça dépend, c'est très inégal. Il y a énormément d'entreprises, toutes les entreprises, en vrai, tous les dirigeants veulent être sur la photo. En fait, il y a plusieurs choses. D'abord, tous les dirigeants sont des êtres humains. Ils ont aussi des enfants. Ils vivent aussi cette transformation sociétale, en général. Donc, voilà, ça, c'est la réalité. Après, il y en a qui ont conscience et qui essayent de faire bouger. Il y a des premiers de cordée, entre guillemets, pardon pour l'expression, comme le patron de la Maïf, etc. Mais la Maïf n'a pas d'actionnaire. Donc, c'est quand même un chouïa plus simple. Tu vois, ou le patron du groupe Rocher, donc Yves Rocher et consoeur, donc dans Yves Rocher, il y a un son d'entreprise comme Petit Bateau et autres, mais qui est une société familiale de la même manière. Donc, qui sont les premiers cordés, entre guillemets, et qui sont en train de transformer. Et en fait, pour en avoir parlé avec Pascal Desmergers, donc le patron de la Maïf, il me dit, bah, depuis que j'ai fait ce bouquin sur l'entreprise politique, j'ai un certain nombre de patrons du CAC 40, parce qu'ils me connaissent tous, qui m'appellent, qui disent, mais comment tu fais, comment, voilà, et qui essayent de comprendre, tu vois, le patron de Danone aussi, qui a un certain nombre de convictions, et qui essayent de changer. Et puis après, tu as des patrons, moi je vois par exemple, je sais que, par exemple, le groupe LVMH, ils ont intégré la responsabilité dans un des piliers de l'entreprise. Mais pour moi, LVMH, que je connais quand même pas mal aussi, c'est une entreprise qui n'est pas du tout responsable. Enfin, tu vois, fondamentalement, quoi, dans les valeurs, dans le mode de conscience, etc. Donc, en fait, ça dépend. Et mon job, quelque part, comme le job de l'Institut des futurs souhaitables, par exemple, c'est de transformer ces personnes-là. Parce que, en fait, ils sont ouverts. Tu vois, je l'ai fait pendant des années sur le digital. Et c'est de la même manière. En fait, c'est pas de savoir. Le but, c'est pas de savoir. C'est de, tu vois, c'est ce petit moment de déclic où en fait tu changes et tu peux plus revenir en arrière. Tu vois, il y a des gens qui sont qui ont rien compris au digital et qui pourtant sont sur YouTube, Twitter ou Facebook ou Instagram ou LinkedIn, peu importe. Ils sont là, mais c'est pas pour ça qu'ils ont compris la logique digitale. Et là, c'est pareil avec l'écologie. Alors justement, je rebondis parce qu'il y a une question d'un, j'allais dire téléspectateur, on peut dire ça puisqu'on est un peu à l'écran, qui demande qui sont les nouveaux influenceurs aujourd'hui. Est-ce que ce sont les agences de publicité, les youtubeurs ou les people? Alors. Oh là, je pense que c'est aucun de ces trois-là. Comment ça, on nous aurait menti? Non, les agences de pub, elles font ce qu'elles veulent, elles font ce qu'elles peuvent pour exister. Les youtubeurs, il y en a quelques-uns qui sont engagés, et ils peuvent. Enfin non, mais sincèrement, il y a un son de YouTube. Enfin, en fait, c'est pas ces trois, comme c'est une partie de ces trois-là, évidemment. Je crois que, en fait, on est tous, en fait, on fait société, d'accord. Donc, en fait, on est tous des influenceurs. À plus ou moins haut niveau. C'est-à-dire que, en fait, ce que je disais tout à l'heure, quand je disais les gens, ils veulent changer, mais ils ne veulent pas être changés, la meilleure manière de changer, c'est quand même de voir que tes voisins. Par exemple, l'histoire du masque. Tu vois, si je prends le masque. Moi, je porte un masque parce que je lance un message social. D'abord, pour pas éventuellement, si j'étais malade, le donner à d'autres personnes, mais finalement, surtout parce que je n'ai pas la sensation d'être malade, de montrer un signal social aux autres, de dire il faut porter un masque, parce que si les gens ne commencent à ne pas en porter, les autres ne vont pas en porter non plus. Donc si tu vois tous tes voisins par exemple qui trient leurs déchets, évidemment tu vas finir par trier tes déchets. Donc finalement on est tous influenceurs. Après, on est influenceurs évidemment à plusieurs niveaux. Je crois que en ce moment on revient beaucoup aux sciences qu'on appelle les sciences molles. C'est un vilain terme pour parler de la sociologie, de l'anthropologie, et je crois que ce sont eux les qui influencent le plus les entreprises, comme les scientifiques en fait. Aujourd'hui, les scientifiques, j'avais cette discussion avec le patron du développement durable du groupe Bouygues, qui disait en fait les scientifiques doivent rentrer au comité de direction des entreprises. En fait, c'est la réalité, parce qu'on travaille avec une réalité physique que les scientifiques connaissent. Et en fait, je pense que les chercheurs scientifiques et des sciences, donc sciences dures, sciences molles, reviennent sur le devant de la scène. Et pour moi, ça va surtout passer par là. Aujourd'hui, je crois que, encore une fois, les youtubeurs, les people, ils ont un impact éventuellement sur la société civile. Mais je pense que la société civile, ils sont dans cette contradiction complète de bah, « ouais, j'ai compris, mais comment je fais maintenant au quotidien ?» Et aujourd'hui, ce qui doit transformer, c'est vraiment les entreprises pour aider les personnes à avoir un impact moins important, sachant que
il n'y a pas d'impact positif. Hein. C'est Yvon Chouinard, le fondateur de Patagonia, qui expliquait ça. Mais tu ne peux pas avoir un impact positif. Tu as forcément un impact négatif. À partir du moment où tu existes, tu as un impact négatif. C'est un peu malheureux, mais c'est quand même la réalité. Après, la question, c'est comment tu réduis cet impact. On peut vivre à beaucoup sur la planète. On ne peut pas vivre avec ce mode de vie. Ça n'a aucun sens. Et on peut le réduire à travers ce qu'on envisage comme récit. Et on peut le réduire aussi simplement en s'assurant que les produits qu'on utilise sont renouvelables, recyclables, qu'on peut les garder pendant très longtemps. Tu vois, c'est tout ça le problème. Et je pense que c'est pour ça que les scientifiques peuvent faire bouger les entreprises, qui vont faire bouger sans même qu'il y ait beaucoup d'efforts finalement les individus. Mais est-ce que tu crois que pour faire bouger les entreprises, il faut obligatoirement qu'elles y trouvent un intérêt économique, ou est-ce que l'intérêt écologique, il peut passer devant ces intérêts de faire du business, quoi, économique. En fait, ouais. Ben, en fait ouais, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est une question de déclic intellectuel, c'est-à-dire qu'en fait, de comprendre, moi, mon job, par exemple, comme celui de l'Institut Souhaitable, je pense entre autres à Martin Serralta aussi que j'ai reçu sur mon podcast, c'est Martin qui est en fait la personne qui a transformé la Maïf, qui a transformé le Bon Prochet. Donc c'est des personnes comme ça qui sont derrière, qu'on ne voit pas, qui sont absolument inconnues et qui aident les patrons de ces boîtes-là, et moi c'est le rôle que j'ai envie d'avoir, à comprendre et à redéfinir ce que c'est que la croissance et la performance. En fait, à partir du moment où, comme tout à l'heure je te parlais du bonheur et du succès en disant bah, le bonheur, le succès, c'est une question d'accumulation, c'est une croyance, c'est pas vrai. On a prouvé, c'est pour ça que ça s'appelle un insoutenable paradis, ça ne fonctionne pas. Mais à partir du moment où je te dis, bah, la croissance, c'est ça, l'objectif, c'est ça, j'en sais rien, bah, du coup, tu vas essayer de l'obtenir, ton objectif. Tu vois. Si je te redéfinis la performance d'une autre manière et la croissance d'une autre manière, et je te dis, bah, finalement, ton objectif, c'est ça, et bah, tu vas le faire autrement. Et donc, réintégrer l'impact sur la nature dans ton résultat et donc dans ta performance, alors… Tout simplement. Donc, tu vois, il faut faire comprendre à ces personnes-là qu'il faut changer la définition du mot performance et la définition du mot croissance. Mm-hmm. Donc, ça se joue à ce niveau-là, en fait. Et par rapport au greenwashing, on en parle aussi hein, pour le grand public. Est-ce que c'est une réalité vraiment où parfois c'est un peu excessif le regard qu'on peut porter sur l'entreprise parce qu'on n'a pas trop confiance, tu vois, dans ces bien sûr, non, évidemment. On peut avoir pas très confiance parce que justement c'est pas un univers que la majorité des gens connaissent, et surtout pas, sans doute pas ceux qui sont vraiment engagés dans cette transition écologique, etc., qui peuvent pour certains être un peu contre cet univers en disant voilà, tous les mots c'est à eux qu'on les doit, tu vois. Donc bien sûr. On en est où par rapport au greenwashing? Est-ce que c'est vraiment, tu vois, pour comprendre la psychologie un peu de ces boîtes, quoi? Ouais, je comprends ta question. Je pense que d'abord, pour répondre à ta première objection, il est trop tard pour être contre. Enfin, et puis de toute façon, être contre un des trois piliers de la société, c'est ne pas aller… Enfin, en fait, être dans la confrontation, ça ne va pas faire avancer qui que ce soit. En fait, de dire « toutes les entreprises, c'est des connards », je vois pas à quel moment ça peut faire bouger les choses, en fait. Ça, c'est une réalité qui ne fonctionne pas. Après, le greenwashing, c'est une énorme réalité. C'est-à-dire qu'en fait, majoritairement, comme les entreprises et les patrons de ces boîtes n'ont pas de courage, ce qui manque dans les politiques, mais aussi dans les entreprises, c'est du courage managérial. Ben en fait, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'ils font tout pour être sur la photo. Donc, ils vont faire de la compensation en arbre. Tu vois, le truc que je viens de détruire à l'instant, ils vont dire oui, mais en fait, nous, on finance telle association, etc. Mm-hmm. Ben non. Enfin, je veux dire, ça, c'est franchement de la merde. L'idée, ce n'est pas de se dire que ça n'existe pas. Le greenwashing, c'est énorme. C'est partout. C'est comme de dire on va mettre des femmes ou des noirs sur la photo. Enfin, tu vois, c'est n'importe quoi. Bon, parce maintenant, que... ça se voit un peu plus quand même, les ficelles un peu comme ça. Bon, les ficelles sont un peu grosses, mais tu vois, par exemple, tu vois Nike, si je prends l'exemple des femmes, qui dit oui, nous, on est vachement sur les femmes, etc. Mais qui fait les chaussures? C'est des femmes qui sont payées $1 à la journée. Donc bon, je pense qu'on est quand même capable d'avoir ces réflexions-là. Ce qui manque aux entreprises, je parlais tout à l'heure de vulnérabilité, ce qui manque aux entreprises, c'est de la vulnérabilité. C'est-à-dire de dire, bah, vous savez quoi? Ouais, on n'est pas parfait, en fait. Mais on fait des efforts et voilà vers où on essaie. Alors que souvent, le discours d'entreprise, c'est regardez ce qu'on va faire. En 2025, on en sera là. Regardez comme on est bon. Regarde. Et non, en fait, les gens… Et en fait, c'est un problème de communication. C'est-à-dire quand les entreprises font ça, par essence, on dit hey, « oh, vous nous prenez pour un lamant de 6 semaines ou comment ça se passe ?» Alors que si, moi, je te dis « ben voilà,
Je ne sais pas, je suis Danone, je suis L'Oréal, je suis je ne sais pas quel groupe, Procter & Gamble. Et ouais, bien sûr qu'on n'est pas parfait, mais on essaye de changer, on essaye de bouger. Bah, déjà, c'est beaucoup plus crédible. Donc, le greenwashing, il est là. L'idée, c'est de faire prendre conscience aux entreprises qu'elles doivent transformer leur vision, encore une fois, de la croissance, de la performance. Et après, redéfinir le marketing, ce n'est pas forcément un truc hyper négatif. Ça peut être positif si tu redéfinis le design des produits, par exemple. Mmh. Et pour répondre à la question sur la réglementation. Ouais, donc justement, je vais la poser pour que tu puisses l'entendre. Il y a effectivement quelqu'un qui te demande comment encourager ou forcer les entreprises à changer. Est-ce qu'il faut passer par la réglementation ou est-ce que ça va bouger par la pression du consommateur? Je pense que c'est les deux. En fait, c'est les trois. Il y a la réglementation, la pression du consommateur et le travail de personnes comme Martin Serralta, je parlais de l'infrastructure souhaitable ou d'autres comme moi, qui travaillent au corps les patrons d'entreprise pour qu'ils changent d'état d'esprit en fait. Et ça fonctionne comme ça, je crois. Et tu crois on peut pas forcer les gens à changer. Ouais, c'est sûr. Et est-ce que tu crois que cette expérience-là de crise sanitaire, parce que tu parlais de vulnérabilité, là, on a quand même touché du doigt une forme de vulnérabilité, que ce soit économique, que ce soit effectivement sur le plan sanitaire. Bon, est-ce que ce petit trauma va aboutir à, je sais pas, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'appréhender les problématiques? Alors, généralement, je suis très positif, hein, mais je ne pense pas. Ok, bah merci. Merci d'être venu. Je ne crois pas. Non, sincèrement, je pense qu'en fait… Encore une fois, il n'y a pas de règle absolue pour tout le monde. D'un coup, tu vois la Vierge, etc. Je pense qu'il y a un certain nombre de personnes pour qui il y a eu un déclic et qui se sont dit « je vais quitter la ville », par exemple. Ce qui n'est pas forcément le meilleur mouvement écologique. Mais bon. J'ai envie de me reconnecter à la nature. Ce que je pense qu'on a vu beaucoup sur les entreprises et pendant cette crise sanitaire, c'est comment les entreprises ont géré leurs salariés. Tu vois, je parlais de LVMH tout à l'heure. Un groupe comme LVMH, qui dit on va faire appel au chômage partiel, aux aides de l'État, alors que concrètement, ils n'en ont pas besoin, pour voir qu'ensuite Chanel dit bah, nous, on ne va pas y faire appel, et que du coup, LVMH, en particulier Vuitton, revient en disant ouais, mais en fait, nous non plus. Tu vois, ça, en fait, les gens ne vont pas oublier. En fait. La manière dont les entreprises ont géré leurs salariés, je pense que les gens ne vont pas oublier. Y a des gens qui ont pris conscience pendant cette crise, évidemment. Mais malgré tout, quand tu as des croyances, tu sais, cette société, elle fait tout pour te mettre. On parle beaucoup de burn-out, tu vois, en ce moment. Le burn-out, c'est quoi? C'est finalement, tu es un hamster qui court dans sa roue. Et en fait, tu ne réfléchis même pas qu'il n'y a pas de destination. Tu cours. Tu vois, parce qu'on t'a dit qu'il fallait courir, donc tu cours, tu cours, tu cours, tu cours. Et quand tu fais un burn-out, c'est une opportunité pour sortir de la roue et te dire, mais attends, pourquoi je cours déjà? Où est-ce que je vais? Attends, tu relèves la tête et tu dis, en fait, je vais nulle part. Je ne sais pas si tu connais ce bouquin qui s'appelle Le Messie récalcitrant. Où en fait, ça commence par une petite histoire d'une petite bestiole qui est dans l'eau. Ils sont tous accrochés à des rochers. Il y en a un qui dit « J'en ai marre d'être accroché à ce rocher, je vais lâcher. » Et les autres lui disent « Non, mais t'es fou, si tu lâches, tu vas te faire exploser par les rochers, tu vas être pris par le courant, tu vas te faire exploser par les rochers. » Et il fait « Ouais, mais j'en ai marre. » Et donc, à un moment, il lâche. Et donc, il se fait exploser par les rochers, effectivement. Et puis, au bout d'un moment, parce que le courant, il revient et il vole, enfin, il vole. Il survole les autres parce qu'il est pris par le courant, il est au-dessus, évidemment, il remonte à la surface. Et là, les autres le regardent comme un dieu. Et donc, tu as vraiment ça qui est en train de se passer en ce moment, je trouve. Et c'est ce mouvement-là. Et l'idée, c'est comment j'emmène les entreprises dans ce mouvement-là au maximum. Et je ne pense pas que ce soit en les forçant. Alors, bien sûr que la réglementation va aider les plus récalcitrants et elle va être nécessaire de toute façon. Et c'est là qu'on voit un manque de courage politique évident, tu vois, quand… ce gouvernement nous dit les plastiques non recyclables, c'est 2055. Enfin, je ne sais même pas quelle est la date, mais globalement, ça, on ne le fait pas, quoi, en gros. Donc, ça manque de courage. Ça, oui, bien sûr. Il y a un problème de réglementation. Mais je crois aussi qu'on peut transformer les entreprises de l'intérieur. Donc, c'est vraiment ça le. Ok. Excuse-moi, j'ai eu un blanc parce que d'un coup, j'ai eu un message « Votre connexion est instable ». Donc, j'ai commencé à avoir une petite angoisse qui a monté pendant la conversation. On arrive bientôt à la fin de cette heure d'échange avec toi. Ça passe super vite, une heure.
Pour conclure, peut-être, j'avais envie de te demander à quoi ça ressemblerait justement ton paradis soutenable. Parce qu'on a bien compris ce qu'on ne voulait plus. Maintenant, je crois que l'enjeu, c'est de définir qu'est-ce qu'on veut finalement à titre individuel et certainement collectif. Alors, si on peut mettre des mots sur ce rêve, j'aime pas trop le mot rêve parce que ça fait un truc, tu vois, inaccessible, mais voilà, quelque chose… En fait, je pense qu'on manque… Je pense que le récit… et entre guillemets le bon récit. Moi, je ne suis pas un gourou ou quoi que ce soit, je ne pense pas devenir aucune vérité, mais je pense que ce qui est évident, c'est, on en parlait tout à l'heure, mais quand tu crées du lien avec toi, que tu développes du féminin, tu n'as plus besoin de tous ces éléments à l'extérieur. Donc, en fait, par essence, tu décrois. En fait, moi, ce que je propose, c'est un pas de côté, c'est-à-dire comme un régime alimentaire. Tu vois, de se dire, quand tu essaies de faire un régime alimentaire, tu te dis, mais est-ce qu'il faut que je mange que de l'ananas parce que ça brûle les graisses, ou est-ce qu'il faut que je mange que de la viande parce que je ne sais pas trop quoi, ou est-ce qu'il faut que je mange ci, ou est-ce qu'il faut que je me prive de ça? Et en fait, tu n'y arrives jamais. Quand tu envisages la nourriture de manière différente et ton rapport à la nourriture de manière différente, c'est là où tu maigris. De la même manière, quand tu fais un pas de côté, et donc tu dis, bah, finalement, je vais laisser mon féminin se développer, je vais le considérer comme une force, donc ma vulnérabilité. Ma sensibilité, on parle beaucoup de l'invisible, mon empathie, etc. Ben en fait, tu n'as plus besoin de ce monde extérieur parce qu'en fait, ton monde intérieur est assez riche. Alors, l'idée, ce n'est pas de se dire qu'on va complètement arrêter de consommer, mais juste, tu vois, moins avoir besoin de cet apparat. Tu vois, simplement, et de se dire, ben, en fait, et quand tu développes ton féminin, ça se fait naturellement. Ton lien à toi, donc. Donc, être bien avec toi. À partir du moment où tu es bien avec toi, tu as moins besoin de prouver aux autres. Donc, tu es moins dans l'extérieur. Après, c'est le lien aux autres. Comment je… Tu vois, cette solidarité qu'on retrouve. Tu vois, j'ai reçu Frédéric Lopez aussi sur le podcast. Et Mo parle de la même chose. C'est comment je recrée du lien aux autres et comment je sais que je ne suis jamais seul. Donc, cette solidarité qui se fait naturellement dans les moments de crise d'ailleurs, mais comment on la solidifie, comment on la structure. Et en fait, elle est en train de se mettre en place en réalité. C'est sociétal. Du coup, aussi, évidemment, ce lien à la nature. Et en fait, c'est ça le mouvement qui est souhaitable. C'est-à-dire, c'est abandonner cette idée d'un récit autour d'un bonheur qui serait d'un bonheur qui est lié au succès, qui serait autour de l'accumulation, et embrasser finalement cette société. Mais moi, je n'invente rien. Elle est déjà en train de se mettre en place depuis… je crois que Michel Maffezoli, il décrivait ça dans les années 80. Donc, en fait, elle est déjà en train de se mettre en place. C'est une période. Il y a plein de sociologues, Heidegger, plein de philosophes, etc., qui l'ont décrit déjà. En fait, moi, j'arrive un peu sur le tard, finalement. Ça a déjà été décrit plein de fois. Il faut embrasser ce mouvement de société et pas faire de la résistance. Et dire, oui, mais ce monde d'avant, il était mieux, j'avais l'habitude, c'était super confortable, etc. Parce qu'encore une fois, et on l'a dit au tout début, ce monde confortable, pratique, etc., il est insoutenable pour nous parce qu'il ne nous rend pas heureux. Et c'est ça que, à partir du moment où tu comprends ça, en fait, tu embrasses ce monde qui est en train de bouger, tu vois, et en fait, c'est ça qui est souhaitable. C'est juste se laisser porter et, tu vois, accompagner ce truc. Et pour les entreprises, si on compare ça à une vague, donc pour les individus, c'est juste s'accompagner dans le mouvement de la vague. Pour les entreprises, plutôt que de vouloir regarder la vague qui arrive, parce qu'on la voit quand même bien arriver, et se dire, bah, je verrai bien quand elle va me frapper, bah, prendre ton surf et aller chercher la vague, tu passes la barre et tu vas surfer ta vague. Quoi. C'est plutôt ça pour les entreprises. Mais pour les individus, c'est juste, tu vois, accompagner ce mouvement finalement. Parce qu'ils sont moteurs de changement, pour moi. Ils sont influenceurs. Merci beaucoup, Grégory, pour cet échange assez riche. On a abordé pas mal de sujets. Tu peux peut-être remontrer la couverture de ton livre, Insoutenable Paradis. Ouais, comme elle est jolie. Voilà, en librairie depuis le 10 juin. Donc, n'hésitez pas à découvrir cet ouvrage. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous pendant cette heure. Ce temps d'inspiration qu'on essaie de vous fournir pendant encore quelques semaines. À partir du mois de septembre, sachez que les conférences du mouvement UP reprendront cette fois en public avec une conférence dès le 19 septembre. Normalement, on parlera de masculinité, justement, être un homme au 21e siècle. Oui. Tout un programme, donc ça fait un peu lien avec ce que tu disais. On parlera également du monde d'après. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux du mouvement UP pour être informé de tout le programme à venir. Je rappelle que ces conférences en public sont gratuites et c'est grâce à des partenaires, nos partenaires qui sont Accenture, Aviva, Bouygues Immobilier, le groupe UP, le Crédit Coopératif et la Ville de Paris.
Merci encore Grégory, merci à vous qui nous avez suivis derrière votre écran. Ça fait toujours plaisir de, même à distance, comme ça, même à travers des écrans, on essaie de créer du lien avec vous. Donc, on est toujours très heureux d'avoir des questions. Et vous pouvez bien sûr retrouver cette vidéo sur Facebook. Merci à tous. On a hâte de vous retrouver en public, comme je le disais, à partir du mois de septembre. Excellente soirée à toi, Grégory, et à vous. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Merci.